mort, tout comme ta catin de mère. Catin de mère? Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. Tu te souviens de cet endroit? Ouais, je suis déjà venu là. Notre mère nous amenait souvent ici. Explique-moi tout. Certaines choses sont là depuis toujours. Les anges ont toujours existé, les démons ont toujours existé, ainsi que la guerre qui les oppose. Il y a 9000 ans, un démon est sorti du rang pour prendre le contrôle des armées de l'ombre. Le plus fort, le plus cruel. Mundus. Mais Mundus n'était pas seul. Il avait avec lui son fidèle lieutenant, son frère de sang. Sparda. Mais Sparda l'a trahi. Il est tombé amoureux d'un ange, Eva. L'union secrète d'un ange et d'un démon était inconcevable. Mais elle s'est produite, et elle fut suivie d'une naissance. Celle de jumeaux. Toi et moi. Des hybrides d'anges et de démons, les deux races rivales. Lorsque Mundus apprit la trahison de Sparda, sa colère fut sans limite. Il pourchassa les deux amants. Tua Eva de ses propres mains, et exigea pour Sparda un destin plus cruel encore. Châtiment et souffrance éternelle. Mais lorsqu'Eva fut détruite et Sparda emprisonnée à jamais, tout le monde savait que les graines de la vengeance avaient déjà été semées. Car selon la légende, il n'y a qu'une seule race capable de tuer un roi démon, les Néphilim, des hybrides d'anges et de démons. Il n'en existe que deux, toi et moi. Mundus pensait qu'un seul enfant était né. Mais ils étaient deux. Et ils avaient été cachés soigneusement. Sparda arma ses fils. Rébellion pour Dante. Et Yamato pour Vergile. Alors, Mundus a enfermé notre père et tué notre mère. Oui. Et nous, on est un croisement d'anges et de démons. Père démoniaque, mère angélique. Nous sommes des Néphilim. Les seuls capables de tuer le roi démon. Bien. Comment? Un guetteur. Putain de collabo démoniaque. Tu te sens entraîné dans les larmes. Je vais chercher Kat, elle va sortir de là. Tiens bon. Et salut tout le monde, c'est Mr. Wolf et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du LP sur Devil May Cry, et ça tombe plutôt bien. Parce que je suis en train de me faire pougner, mais littéralement. Ouais, si toi, voilà. Donc on a eu les révélations, Dante est un Néphilim, mon dieu. Eh oh, il va se calmer lui. Non mais... Voilà. Ah tiens, nouveau système. Ah non. Oui non mais je connais ça. Ça fait déjà deux épisodes qu'on a ça. Bon désolé, là, je parle pas beaucoup mais je suis un peu concentré, faut avouer. Voilà. Il y en a plus? Si. Ah non, les tronçonneuses. Comment ça s'appelle? Les ravageurs. D'accord. Eh ben j'arrive mon grand. Hop. Voilà. Oh, pile poil devant la sortie en plus. Si c'est pas beau. Ok. Ou pas. Faut que je trouve un autre chemin. Bon, on va trouver un autre chemin. Tiens, il y a quelque chose là. Bonjour. Il faut pas que j'oublie de collecter les âmes aussi. Voilà. Ça me va.
C'est une clé, ça? Ouais. Au cas où je trouve, hein. Au cas où je trouve une porte, mais ça m'étonnerait. J'ai 2 points de style à dépenser. On va le faire tout de suite. Alors, les capacités de Dante. Non, c'est rébellion que je veux augmenter, moi. Alors, l'onde de choc, la roulette. La piqûre, ça peut être pas mal. Piqûre, ça peut être pas mal. Et on va faire l'onde de choc niveau 2. Enfin, niveau suprême, pardon. On va d'abord faire la rébellion. Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh la vache! Salut les gars! Hop, il dégage. Hop. Oh merde, tronçonneuse. Hop. Allez, tu vas crever. Voilà. Il y en a plus normalement. Je suis trop loin? Voilà. Ah, bon. Il faut les éliminer tout de suite. Voilà. Je sais plus où on en est dans le... Enfin, ce qui va se passer par la suite. Par où je vais déjà? Ah oui, d'accord, par là. Coucou. Allez, hop. Je crois que c'est là que je vais obtenir le dernier pouvoir de Dante. Encore une rose bleue. Voilà, c'est ça. Hop, le dernier pouvoir. Parce qu'il me semble qu'il n'y en ait plus du tout après. Si je me souviens bien. Ah, que c'est beau ces paysages. Donc l'envol, le vol de l'ange, un truc comme ça. C'est ça, le vol de l'ange. Donc c'est un pouvoir qui va être super pratique. On voit Sparda là-bas dans le fond. Plutôt beau, moi je trouve, comme décor. Après, vous pensez ce que vous voulez, hein. Alors voilà. Ça, voilà, je suis trop loin. Hop, vol de l'ange, pas de problème. C'est plutôt super pratique ce pouvoir. Hop, voilà. Bon, quand est-ce que j'aurai des ennemis? Parce que si je me souviens bien, il y a quand même des ennemis dans cette phase-là. Merde, je dois aller où? Ah, je suis perdu. En bas? Ok. Maintiens L2 pour allonger. Bah, c'est ce que je fais tout le temps, hein. Ah, ok. J'y vais en mode Matrix, là. Hop. Bon, bah toujours pas d'ennemis. Peut-être juste pour contrôler nos pouvoirs. Ça commence à venir. Oh. Explosion. Non, pas ça. Alors, le vol de l'ange et l'attraction démoniaque peut être enchaîné. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est là qu'il va falloir commencer à enchaîner les touches. Ça va être sympa. Voilà. Bon bah pas d'ennemis, je pensais. Tant pis. On va libérer le dernier truc de Sparda.
Oh mon dieu, on a vu quelqu'un. C'était ton foyer. Je m'en souviens pas. Les guerres se gagnent tout en l'ennemi, et tu as été tué. Ton passé t'a été caché délibérément. D'accord. Ah, enfin de la bonne musique. Les pathos. Après les bathos, on a les pathos. Voilà, je fais quoi maintenant? Oh, encore vous. Allez, venez. Hop, comme ça je reste en l'air. Je suis tranquille. Hop. Allez hop, venez tous à la petite fête. Ah bande de salauds. Wow, il va se calmer. Hop, voilà. Ouh. Ouais, j'ai trop du skill, t'as vu. J'ai tellement du skill. Oh là là là. Ou pas, en fait. Je sais pas si j'ai du skill. Question assez difficile. Je pense que c'est normal, c'est tout. Enfin, bref. J'ai pas quoi trop... Je vais la refaire. Je sais pas trop quoi vous raconter. Putain, je vais y arriver. Waouh. Non, je sais pas aujourd'hui, c'est... Oh mon dieu, on va regarder les infos. Silver Sachs, la banque d'investissement la plus puissante du monde. Et qui est à sa tête? Mendes. Il s'agit de Kyle Rider. Ah, loupé. Le PDG. Bah si, c'est Mendes. L'avatar humain de Mundus, le roi des monts. La créance est son arme pour contrôler le monde. Pour Mundus, le monde n'est qu'un gigantesque élevage d'âmes humaines. Il préfère que son bétail soit surveillé et docile. D'accord. La surveillance se fait via Raptor News Network, un réseau mondial de télésurveillance, satellite espion et informateur. Pour ce qui est de la docilité, c'est plus insidieux. C'est-à-dire? Ce que tu tiens, la boisson la plus populaire de la planète, Virility. Il a changé la formule. <T'en> fais pas. Ça n'a pas d'effet sur nous, seulement sur les humains. De la lobotomie en canette. C'est quoi ton plan? Voici la porte de l'enfer. C'est de là que Mundus tire son pouvoir. Lorsqu'il y est connecté, il est immortel. D'accord. Il suffit de briser ce lien, et nos épées feront le reste. Et comment on fait ça? On attire son attention. Il est arrogant et impulsif. Si on arrive à attiser sa colère suffisamment, ça devrait pouvoir marcher. En résumé... Pour le tuer, il faut l'éloigner de la porte de l'enfer, et pour ça, on doit le mettre en rogne. C'est à peu près ça, oui. Et tu proposes qu'on se débarrasse de Raptor News Network et de Virility? C'est ça. On commence par quoi? Eh ben, par le début, c'est plutôt pas mal. Donc, si je me souviens bien, le premier, c'est Virility. Et on va le faire tout de suite, vu que là, ça fait qu'un quart d'heure. Un quart d'heure de vidéo, franchement, ça sert à rien du tout. Ouais, on reprend WS, deuxième amélioration, ça me va. Allez, hop, mission suivante. Qui risque d'être un poil plus difficile. Oui, par contre, les temps de chargement, je vous promets, c'est horrible. Là, il est en train de charger tout le niveau, en fait. Donc ça peut prendre une minute, deux minutes, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Hein. Référence culte. Ah bah non, ça va encore. Voilà, Virility. Oui. Il te cherche maintenant, Dante. Fais attention. Mundus ne sait pas que j'existe. Je vais rester dans l'ombre jusqu'à ce que nous soyons prêts à frapper. Kat connaît l'usine de Virility, qu'est-ce qu'elle dissimule? Elle te servira de guide.
Ça va te tuer. N'attire pas l'attention. Trop tard. Oh. Ça, c'est la caméra de surveillance. C'est pas vrai. Vas-y. Bien joué. La caméra t'a repéré. Il devait te rechercher. Ouais. Ils vont m'envoyer quoi comme bestiole? Des Styxiens. D'accord. Ouais, donc on avait les Styxiens inférieurs, maintenant on a les Styxiens. Voilà. Oh ouais, je la trouve classe la chanson là. Allez. Voilà, comme ça je suis tranquille en haut. Non, l'autre côté de la piqûre, voilà. Hop. Non, là-bas, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, le brise-rage carrément. Ça brise rien du tout. Hop. Voilà. Je vais monter et crépir en bouillie. Ouais. T'as beau m'avoir à l'œil. Lol. Par contre, faut que je trouve le moyen de monter. Ah, tiens, une âme. Voilà. 1487. Ouais, je pourrais m'acheter un petit truc après. Hop. Alors, faut que je monte là-haut. Ah, d'accord, il y a. Hop. Il y a ça. Tac. Hop. Et hop là. Hey, œil de serpent. Ah. Ouh. C'est bien dégueulasse. Non, je vais avoir droit à quoi comme bestiole? Ou pas de bestiole? Non, là je passe pas là. On dirait que la ville elle-même essaye de t'arrêter. Génial. Virgile m'a transmis l'emplacement des caméras. Mieux vaut les éviter. Suis-moi. Vas-y, Kate, je te suis. Y'a pas un truc là? On va se calmer. Ah si, y'a un truc. Ah, c'est pas avec cette arme là. Tant pis. J'aurais essayé. C'est avec une autre arme. Alors déjà ça, voilà. C'est quoi ce truc? Ah oui, ça j'aime pas. Oh, j'aime pas. Ça en gros faut se... Voilà, faut se manier de leur tirer dessus. Faut vraiment se manier de leur tirer dessus, sinon ça nous fonce dedans. Mais c'est sensible qu'aux armes à feu. Donc voilà. Bon, plus tard quand j'aurai de nouvelles armes, ça devrait aller mieux, mais... Ah, pour l'instant... un pathos blindé, oui. Bon. Bon, faut que je monte. Voilà. Voilà. Ah merde, putain, il y en a un autre. Voilà. Crève. Putain, j'ai loupé mon combo à cause de l'autre. Oh oh. Voilà. Il y a une âme torturée là aussi. Putain.
Comment je vais l'atteindre celle-là? Comme ça? Je peux pas la tuer comme ça? Non, je suis obligé de lui foutre des coups d'épée. Bon. Non, bon, ça marche pas. Comme ça, ça m'étonnerait que j'arrive à monter. Allez, amélioration. Rébellion toujours. Alors, onde de choc suprême et piqûre niveau 2. Quoique je peux mettre la nuée directement. Ouais, cool. Voilà. Te voilà. Ouais, me voilà. Ça sent pas bon. Oh oh. Ça devient des murs. Oh merde. J'avais oublié ce passage. J'avais un peu oublié ce passage. Vite, 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 vite. Voilà. Eh ben. Allez, deux caméras. Ah, enfin les voilà, les Styxiens. Styxiens spéciaux. En gros, eux, s'ils sont bleus, c'est obligatoirement l'arme angélique pour les tuer. Et s'ils sont rouges, c'est l'arme démoniaque. Donc là, j'ai pas le choix. Faut que j'y aille comme ça. Parce que même rébellion, ça leur fait rien. Hein. Donc là, pour faire des combos avec ça, c'est pas évident. Merde, y'en a un autre. Voilà. Non, loupé. Là, ici. Voilà, et lui en même temps, j'ai renvoyé son missile dans la tronche. Voilà. Et c'est fini. Bingo. Bon, maintenant il faut que je m'occupe des caméras. Alors, non, il y a rien. D'abord que je m'occupe de la caméra de droite, peut-être, au lieu de commencer par celle de gauche. Ouais. Ah ouais, y'a un truc, voilà, hop. Ok. Hop, allez, on découpe. Alors, voilà. Ah, c'est trois fois avec cette arme là, c'est chiant. Ah merde, c'est un passage secret pour un défi que je ne ferai pas. J'ai pas envie de faire les défis, voilà, c'est tout. Hop. Coucou. Home run. Oui, j'ai réussi, mais j'ai pas de clé d'argent. Bon, au moins vous savez où c'est. Normalement. Ah, tant pis. Yeah. Les sorcières utilisent des aérosols. Un sort, ça prend des heures, voire des jours à préparer. Hmm. Alors un jour, j'ai eu l'idée de le faire à l'avance. C'est comme la chantilly. T'as appris tout ça? Virgile m'a enseigné la démonologie et l'occultisme. Tout ça dans le sang, selon lui. D'accord. Il disait que ça m'aiderait de faire un truc constructif, au lieu de... Au lieu de quoi? De me focaliser sur les cauchemars. Ah. Ça. Ok. Voilà, donc là elle vient de me créer un porte, enfin une marque pour agripper, pour faire avec mon grappin plutôt. Alors si je me souviens bien, ça dure pas longtemps. Au bout d'un moment ça se remet, je sais plus. Ou pas en fait. Voilà.
Tac, ça, je peux y aller comme ça maintenant. Ben, ça va aller vite. Voilà. Coucher les araignées. Ah, tiens, une âme. Non. En fait, cette salle ne sert à rien. Cette salle ne sert à rien. Oh, putain, il y a une autre âme là. Chier. Parce que celle-là, je pourrais pas l'avoir. Non. Non, vous allez pas me tuer. Allez hop. Ah tiens, de la vie. Ça va être sympa ça. Voilà. Eh oh. Mais, vous allez vous faire foutre. Voilà, plus que toi mon grand. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, ils sont pas là, ils sont de l'autre côté. Fais chier. Oh. Allez, hop. Merde, 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 merde. Là, ça devient un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Surtout les tronçonneuses, je les aime vraiment pas. Les ravageurs là, ils font chier le monde. Voilà. Ah, on va y arriver, on va y arriver. Bon bah, on est prêt. Ouais, c'est clair. J'ai vu un truc. Ah non, ça qui s'est cassé la gueule, c'est tout. Ok. Alors, cross him, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Cross, c'est écrasé? J'en sais rien. J'en sais foutre rien. Hop. Oh putain, tout le décor, il est contre moi. Et merde, oh. Ah non, pas eux, pas eux, pas eux. Ouais, ok. Ah oui, je sais où on arrive. Ok. Wouhou. Et un petit tour à l'église. Moi qui adore ça. Allez, hop. Bon, toi, tu vas arrêter de me faire chier. Chiant celui-là. Voilà. Alors maintenant ça devrait aller mieux. Oh et merde, deux givres. Non, non, non. Putain, heureusement qu'il y a de la vie sur les murs. Voilà. Allez, lâchez-moi. Ah, je lui ai renvoyé son attaque. Merde, lui j'ai pas pu. Allez hop, tu vas crever, oui. Merde. Oh, oh, oh. Hop. Allez, vas-y, allez, crevez, oui. Ah la vache. J'ai pas un objet sur moi? Si. J'ai pas envie de crever. Hop. Voilà, et d'un. Reste plus que toi, mon grand. Et là, ça va chier.
Voilà. Les tyrans. Alors les tyrans, c'est des sales bestioles. Oh, gros cul. Oh, lol. Les tyrans, ils sont blindés. Je ne peux absolument rien faire contre eux. Sauf esquiver. Voilà. Et faut les faire tomber pour pouvoir les frapper. On peut les frapper directement dans le dos aussi. C'est un peu plus long, mais... Ah oui, quand ils sont en mode furie comme ça, je peux plus rien faire. Hop. Allez. Merde, merde, merde. Allez, gros cul. Ouais, tout à fait d'accord. Ah, cool. Ok. Oui, bah je fais ce que je peux. Oh la vache! J'avais complètement oublié ce passage. Allez, on est presque. Oh la vache, merde! Spider-Man! Spider-Man! Youpi! Voilà, on est sorti de l'église. Enfin. Maintenant, quoi. Voilà. J'ai cru que ça finirait jamais. L'église. Bon, eh ben voilà, ça s'est fait. La police a communiqué des images du terroriste responsable du récent attentat qui a touché l'église Saint-Agarès. Mm-hmm. Il se ferait appeler Dante. Souvenez-vous bien de ce visage. Si vous le voyez, informez immédiatement les autorités, mais ne l'approchez pas. Connu pour son tempérament violent, il a aussi commis de nombreux crimes sexuels. Oula. Ici Bob Barbas, au service du Seigneur. Toi, t'es pas un gentil. Bon, allez, ben on va se quitter sur ça. J'espère que ça vous aura plu. Désolé si j'ai pas beaucoup parlé, mais bon, ça commence à être intense. Surtout, j'ai raconté de la merde, ouais. Ça commence à être assez intense comme mission. Donc voilà. Allez, on se retrouvera très prochainement pour la suite de Devil May Cry 5. Et sur ce, eh ben moi je vous dis à tous et à toutes, portez-vous bien, et puis à la prochaine.